Hút mà hút thọt mà đoan mà hỏi ai giống thọ to thế hết là bẩn bẩn thế đó đó miền tinh tinh chứ đã cho con ông du tiêu miền hút hút chặt thọt thọt mà đoan mà hỏi chặt cái chân bị ăn rồi sẽ cái stock kê nó cái cầm mong ổn là tơ về giống ai nhớ bắt to thì tiếc hết là thọ hết được sao vậy chứ hụt anh được ăn chay ăn stray đặt iPhone bị tê lé em cho ăn chay kia nó còn bật to mà cho mà anh mà to chứ và kia bờ là rẻ đắng đã ăn miền kia ăn dương 300 bờ thì anh mình phở phở rô lại và bà dương công sư kê việp tam sư dê anh à vô ai tiết phía xa cái dây ta thức mà mặt mà có cái thời xe artistic đó culture bỏ kê ça s'appelle dans classique des Khmer en haute montagne. En composition, c'est Khmer Lu. Ces gens-là sont très francs. Ils respectent leurs paroles d'honneur. Il ne savait pas escroquer, il ne savait pas mentir, il ne savait pas refuser leurs promesses. Ils ne sont pas hypocrites par la vie courante des civilisés. Ils ont tenu leur promesse par
Par la parole, par les pourparlers, par d'utiliser le papier, par le papier, on a écrit pour conclure quelques promesses. Quel seul pas en nous, c'est-à-dire l'école des beaux-arts. Ça, c'est formé par les professionnels de l'école des beaux-arts. Pour faire revivre les cultures des Khmer de haute montagne. En Khmer, on n'a pas. En langue khmer, on les appelait khmer le, c'est-à-dire en haut, le royaume bas, c'est en bas, le Cambodge Krom, l'Allemagne, Sud-Vietnam, c'est Khmer Krom, et le Combo central, dans la les environs de la plaine du Mekong et de l'Essable et là de la capitale, ça s'appelle Khmer Centre, Khmer Kandal, comme ça. Et puis eux là-bas, aux frontières des pays Thaï et l'Océan, ce sont les régions montagneuses, on les appelait les Khmer Le. Y compris les Khmer Surin, annexés par les trois provinces limitrophes en haut. Côté de Pravier, par exemple, ce sont les anciennes provinces des Khmer aussi, mais annexés par la Thaïlande depuis. Ça représente la zeste de la vie courante. Peut-être c'est la récolte de blé, de riz ou de légumes, par exemple. Les filles, les femmes font les zestes comme ça, voilà. La cueillette des feuilles de thé, par exemple, des feuilles des arbres. Elles ont arrassé de leurs branches, puis les gardent dans le panier suspendu au corps, les hommes au dos, les femmes, à la tête, les femmes, elles portent les paniers à peu près, les femmes de pays civilisés. Et les hommes, au dos. Mais nous, on a les sacs à dos. Eux, ils ont des paniers au dos. C'est pareil, les hommes. N'importe quelle race, ils ont la science dans l'utilisation des outils pour le travail quotidien. Là, ça c'est vraiment des pots qui peuvent contenir les provisions
de nourriture, par exemple, non? Peut-être. Ce sont les gestes de leur travail quotidien. Les paroles, ce sont les vraies paroles, les danseurs, ce sont des professionnels de l'école des beaux-arts, de l'université des beaux-arts, hein, c'est pas école. Hein. L'université des beaux-arts, on s'apprend même la l'ancienne culture pour danser, pour chanter, pour jouer aux appareils, des instruments de musique. Pour tailler les pierres, le bois, même les ivoires, on peut tailler les ivoires, sculpter les ivoires. Le pied précieux pour faire des statues, des objets de souvenirs par exemple. Bon, merci les artistes.